Vous chantez bien, gamin. Bonsoir à tous. Nous allons assister à une représentation des Petits Chanteurs de Saint-Marc, dirigée par Nicolas Porte. Voilà, ça va nous emmener pendant une petite demi-heure, nous accompagner pendant une petite demi-heure. Alors merci, on les applaudit. Merci beaucoup. Yeah.
micro. Avancez, je vous en prie. Avancez. Il y a encore un peu de place devant. On se sentira moins seul. Voilà, pour commencer, je tiens vraiment à remercier les petits chanteurs de Saint-Marc et leur maître de chœur Nicolas Porte. Nous ont enchantés par ces formidables chants, par leur prouesse vocale, dont on sait d'ailleurs qu'ils portent ils sont de grands ambassadeurs de la ville de Lyon avec d'autres chœurs, mais ils font partie des grands ambassadeurs de la ville de Lyon. Ce n'est pas Georges Kepenikan qui me démentira. Pour notre belle ville de Lyon, merci encore cher Nicolas, merci à ces jeunes qui ont des formidables voix. Et je sais que Gérard Collomb aurait été tout à fait sensible à cette prestation, car il est un grand amateur, et je le disais juste à l'instant à Madame Collomb, des choristes, du film Les choristes, dont ils ont interprété certains morceaux. Merci à eux. Monsieur le secrétaire d'État, cher Thierry Braillard, Madame la députée, cher Gilles Daubert, Monsieur le premier adjoint au maire de Lyon, représentant ce soir le sénateur maire de Lyon, cher Georges Kepenikan, Mesdames et messieurs les adjoints maire de Lyon, Mesdames et messieurs les adjoints et élus de la mairie du 5e arrondissement, Mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, de la métropole et de la ville de Lyon, Mesdames et messieurs les représentants des organisations consulaires et du monde économique, Mesdames et messieurs les représentants des cultes, Mesdames et messieurs les représentants des conseils de quartier, des comités d'intérêt locaux, des clubs sportifs, des MJC, des centres sociaux, de la vie associative, Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi d'adresser en cet instant mes premiers vœux et entre votre nom à tous, à M. Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et président de la métropole de Lyon, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Je tiens à saluer la présence de son épouse, Caroline Collomb, et lui demander de lui transmettre, en notre nom à tous, nos amitiés. Je l'ai eu ce matin au téléphone et il m'a dit qu'il devait encore un peu se ménager, d'où son absence ce soir, et il m'a chargé de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2016. Il y a un an, avec Gérard Collomb, sur cette même scène, dans cette même salle, nous prononcions des discours de vœux empreints de gravité et de tristesse. C'était le 9 janvier, il y a donc presque un an jour pour jour. C'était 2 jours après l'abominable attentat de Charlie Hebdo et le jour même des terribles meurtres de la supérette cachère de la porte de Vincennes. L'année de vie 2015 avait commencé dans l'effroi, dans la folie du fanatisme djihadiste, et devait se terminer malheureusement dans une folie encore plus meurtrière, avec les attentats qui constituent certainement la mission principale de tout élu responsable, de nous tous ici sur cette scène. Avec Gérard Collomb et l'équipe municipale et l'équipe d'arrondissement, nous travaillons chaque jour en ce sens. Mais vu la gravité de la situation, nous devons encore faire plus. Faire plus tout particulièrement pour nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, dont une partie de plus en plus importante est en situation d'échec, voire de perdition. En tant qu'élus, nous nous devons de tout faire pour empêcher la radicalisation d'une certaine jeunesse, et qui ne se trouve pas obligatoirement dans les cités les plus dangereuses. Récemment, une jeune collégienne du 5e arrondissement s'était ainsi radicalisée en quelques mois et avait tenté de rejoindre des réseaux djihadistes en Belgique, mais a finalement été interpellé à temps par les forces de police. J'en profite en cet instant pour saluer le formidable travail réalisé par la police nationale, par la gendarmerie, pour assurer notre sécurité. Je salue tout particulièrement Madame la commissaire divisionnaire Cyr Ferry, en charge de la division ouest de Lyon, et de Monsieur le commandant Nolo, responsable du commissariat du 5e. Ils nous font l'honneur de leur présence et nous travaillons de façon très étroite dans un climat de confiance. Lutter contre cette radicalisation est un immense chantier très complexe. Je profite de la présidence de Monsieur le secrétaire d'État Thierry Braillard pour lui faire part d'un sentiment partagé par beaucoup de nos concitoyens qui me l'ont dit à différents moments depuis quelques mois et qu'il a bien évidemment lui aussi en tête et qu'il a déjà entendu. Comment peut-on trouver sur le web autant de sites, de vidéos faisant l'apologie du terrorisme ? Ne peut-on prendre des mesures législatives et technologiques pour interdire de tels sites qui constituent le principal vecteur d'endoctrinement de certains jeunes et moins jeunes en perte de repères et souffrant d'un véritable mal-être? Au niveau local aussi, la tâche est vaste et rude. À la ville de Lyon et à la métropole de Lyon, nous allons renforcer certaines de nos politiques en faveur des publics les plus défavorisés, des territoires les plus en difficulté.
Ainsi, la volonté de Gérard Collomb est de poursuivre un renouvellement ambitieux pour les quartiers qu'on qualifie politiques de la ville, comme cela a été le cas il y a quelques années et encore maintenant à La Duchère. Hier, j'étais en tant que conseiller métropolitain délégué à la politique de la ville auprès de Monsieur le Président, avec également Michel Lefaou, vice-président de la métropole en charge de l'urbanisme, et de plusieurs maires de l'agglomération, comme Madame la maire de Vénissieux, Madame la maire de Vanvelin, Monsieur le maire de Rieux-la-Pape, Monsieur le maire de Villeurbanne, à l'Agence nationale de renouvellement urbain à Paris. Nous étions là-bas pour présenter le projet métropolitain de renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, c'est-à-dire la démolition de certaines barres d'HLM, la réhabilitation d'ensembles vieillissants des années 60, la reconstruction de nouveaux immeubles dans ces territoires destinés à l'accession à la propriété pour réussir à créer dans ces quartiers une véritable mixité sociale, indispensable pour stopper le phénomène de ghettoïsation. Je vais vous livrer un scoop. En aparté, les représentants de cette agence nationale, l'ANRU, nous ont dit à Michel Lefaou et moi-même que notre dossier, celui de la métropole, était exemplaire. Et nous avons donc bon espoir de voir l'État et ses partenaires financiers valider et financer nos projets. L'aspect urbain devra être accompagné par des mesures en direction de l'humain, pour paraphraser un slogan cher à Gérard Collomb. C'est dans ce sens que nous allons travailler à la métropole avec David Kimmelfeld, premier vice-président délégué au développement économique et à l'emploi, pour renforcer nos actions en faveur de l'insertion dans certains quartiers. Nous ferons de la même façon un travail collaboratif en matière d'éducation avec Éric Desbos en charge des collèges à la métropole. Au niveau du 5e arrondissement, nous avons aussi lancé un groupe de travail piloté par mes adjointes Marion Sauzet en charge de l'éducation et Myriam Benchara en charge du social et de la politique de la ville pour travailler avec les représentants des secteurs éducatifs, sportifs, associatifs, les centres sociaux, les MJC, afin d'apporter de nouvelles pistes de progrès, créer de nouveaux dispositifs en faveur des jeunes de notre arrondissement, et tout particulièrement ceux ne bénéficiant d'aucun réseau. J'en profite pour saluer le formidable travail qui est déjà fait pour l'épanouissement de nos jeunes par le secteur éducatif, les écoles, les collèges, les lycées, les classes supérieures, et il y en a beaucoup dans le 5e arrondissement, je ne pourrais pas toutes les citer, mais je tiens à remercier la présence d'un grand nombre de directeurs, de principaux, de proviseurs, qui sont fidèles à cette cérémonie de vœux. Cela est aussi le travail de notre tissu associatif si riche et dynamique dans le 5e arrondissement. Les centres sociaux que j'ai déjà cités, MJC, clubs sportifs, associations culturelles. Je me rends compte que j'ai été un petit peu long, car ensuite Georges Képenikian prendra la parole. Et pourtant, je n'ai pas parlé des principaux événements, réalisations qui ont émaillé l'année 2015 dans le 5e, ni de ceux à venir. Alors comme je ne souhaite pas éterniser cette partie des discours pour avoir le temps de profiter au maximum du temps convivial qui va suivre avec vous tous, autour d'un verre, je vais synthétiser cette partie du discours. Sur le bilan 2015, je voudrais juste dire que nous avons été très fiers avec mes adjoints de créer une nouvelle fête de quartier à la Sarah, en partenariat avec les centres sociaux et MJC de Saint-Just et les amis du jeudi dimanche, les AJD, pour la prévention spécialisée. Nous avons été fiers de créer un partenariat avec les Nuits de Fourvière pour créer un événement artistique en marge du festival intitulé « Un week-end à Saint-Just ». Merci, cher Dominique Delorme, qui est, je crois, présent. Nous étions fiers de créer une permanence emploi en mairie du 5e arrondissement avec le partenariat de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon, du Pôle emploi, de la mission locale, d'associations comme Mirli Solidarité et grâce au soutien d'Anne-Sophie Condemine, adjointe au maire déléguée à l'emploi. En termes d'équipement, en 2015, nous avons fait de nombreuses livraisons. Nous avons ainsi livré le nouveau centre de loisirs Pierre Valdo, le stade Alexandre Morin et le clubhouse du Ménival Football Club, le terrain de rugby du stade Branly, la résidence Crous étudiante Philomène Magnien et sa nouvelle boulangerie au pied de la résidence, le temple du change avec sa façade formidablement restaurée, si chère à Jean-Dominique Durand, qui a suivi de près ce travail. Il y a eu aussi la livraison de la résidence de Bruce Park par Vinci, de l'EHPAD La Roseraie par la Croix-Rouge française, du nouvel hôtel Fourvière Hôtel, formidable prouesse de restauration de l'ancien couvent de la Visitation dans le secteur de Fourvière. Ça me permet de faire le lien car en 2016, un nouvel hôtel sera inauguré, sera tout du moins livré, qui sera lui aussi remarquable. Il s'agit de la Villa Maya à l'Anticaille, portée par le groupe Maya Saunier. On le voit, la vocation touristique du 5e arrondissement reste très forte. Et je profite de cet instant pour saluer les nombreux commerçants,
artisan chef d'entreprise du 5e arrondissement, présent ce soir et qui œuvre aussi pleinement au dynamisme de notre arrondissement, mais plus largement de notre ville et de notre agglomération. En ce début d'année, la ville de Lyon vient de terminer les travaux de modernisation de la bibliothèque Saint-Jean et de l'école Joliot-Curie, avec un nouveau CEF qui est cher aussi à Marion Sauzet et à Anne Bruniera. 2016 verra la naissance d'un nouveau jardin public, André Malraux, à l'Anticaille. Alors là, je tiens à saluer le travail qu'a fait pour le baptême du nom M. Jean-Dominique Durand et pour le suivi du projet Alain Giordano et Céline Forigottier. La livraison d'une nouvelle résidence de Grand Lyon Habitat, rue des Fossés de Trion. Merci M. Godet également et Mme Panassier de votre présence. Et l'achèvement de travaux de rénovation de la maison diocésaine Saint-Irénée qui accueillera le cardinal Barbarin et les services de l'archevêché. Il devrait également y avoir le projet de modernisation de la salle de prière musulmane de la rue des Fossés de Trion. Et en tant que maire, avec le responsable de cette association, je suis de près ce projet, afin que les fidèles du culte musulman puissent pratiquer dans de bonnes conditions. Nous aurons aussi, dans le cadre de l'Euro 2016, l'organisation de différents événements avec l'Office des sports de Lyon 5e, et je tiens à saluer son nouveau président, Jean-Marc Morel, et son ancien président, qui a œuvré pendant 10 ans, Pierre Daudille, et qui a été récemment promu par le Premier ministre au grade de chevalier dans l'Ordre national du Mérite, suite à un soutien indéfectible de Monsieur le sénateur maire de Lyon. Pour finir, je vous rappellerai que 2016 sera aussi une année très importante en matière de démocratie participative, avec le projet de révision du plan local d'urbanisme et d'habitat, dont la première réunion publique aura lieu dans cette salle le 27 janvier. Je vous invite à venir, peut-être pas aussi nombreux parce que ce sera un petit peu compliqué à organiser, mais venez néanmoins nombreux pour ce grand échange de démocratie participative sur ce projet qui nous engagera pour les 15 prochaines années pour la transformation de notre territoire, de notre arrondissement. Je tiens enfin à remercier, mais je l'avais fait au départ, vivement Nicolas Porte pour sa fidélité et les petits chanteurs de Saint-Marc pour leurs remarquables prestations qu'ils viennent de réaliser. Je vous souhaite, chers amis, une belle et heureuse année 2016, ainsi qu'à tous vos proches, et je souhaite à nous tous et à notre pays de vivre une année de fraternité et de paix. Je vous remercie. Je vais laisser donc la parole à Georges Kepenikian, premier adjoint au maire de Lyon. Merci, monsieur le maire du 5e arrondissement, cher Thomas, merci de ton accueil chaleureux. Je voudrais à mon tour saluer le secrétaire d'État, monsieur Thierry Braillard, que je suis heureux de trouver parmi nous, notre député, ma chère Gilda, messieurs et mesdames les représentants du corps consulaire, monsieur le premier adjoint du premier vice-président, pardon, de la métropole, cher David Kimmelfeld, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, vous le savez tous maintenant, le maire de Lyon, Gérard Collomb, ne peut pas être des nôtres ce soir et il m'a chargé de le représenter. Celles et ceux qui le connaissent peuvent imaginer combien cette décision d'alléger son agenda et donc de ne pas participer à toutes les cérémonies de vœux a été difficile à prendre pour lui. Nous en sommes arrivés quasiment à le ligoter. C'est le docteur qui parle. À la fois parce qu'il a le cœur d'être avec les Lyonnais dans tous les arrondissements, pour évoquer nos projets, partager sa vision de la cité, être à l'écoute, mais aussi évidemment parce qu'il est particulièrement attaché à ce 5e arrondissement où il réside, et je salue bien sûr à mon tour Caroline. Il m'a donc chargé de vous faire part de son amitié, de vous présenter tous ses voeux de santé, de bonheur, d'épanouissement, et de vous adresser, à l'orée de cette année 2016, le message que je vais donc maintenant vous proposer.
Nous sommes, en ce début d'année, dans une période difficile, encore sous le choc des tragédies qui ont touché notre pays, et nous vivons tous dans l'inquiétude de voir notre pays multiplier les réactions de repli sur soi. Ce contexte dramatique pèse durement sur notre quotidien, mais il ne doit pas nous accabler. Nous devons nous mobiliser face à ce défi qui nous est lancé et faire triompher nos idéaux de liberté, d'humanisme, de cohésion sociale et d'épanouissement individuel qui sont ceux de notre pays. Nous en donnons l'exemple chaque jour dans la métropole lyonnaise. Ce sont ces idéaux que nous réalisons quand nous développons l'activité, quand nous créons de la richesse et de l'emploi, condition sine qua non du bien-être individuel et collectif. Mais aussi quand nous rééquilibrons le territoire en ramenant partout de la mixité sociale, quand nous offrons à chacun dans chaque quartier un cadre de vie plus beau et plus agréable. À l'évidence, les efforts que nous menons dans tous ces domaines depuis des années portent leurs fruits. Au moment où d'autres territoires français sont en difficulté, notre métropole, au contraire, avance. Cette réussite, nous la devons à un modèle éprouvé, une forte culture de l'innovation, un haut niveau d'investissement public capable d'entraîner le secteur privé et un savoir-faire ensemble qui nous permet d'avancer plus vite et mieux sur tous les aspects du développement de notre territoire. Telle est notre volonté, porter une attention permanente au développement de la cité et à la qualité de vie des Lyonnais dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers. Cette attention permanente au bon développement de la cité, de ses arrondissements, elle s'exprime fortement ici pour ce qui est des projets du 5e arrondissement que Thomas a déjà rappelé et je ne vais bien sûr pas les reprendre. C'est vrai qu'ils sont très nombreux, à la fois en termes de patrimoine, dont le Vieux Lyon, en termes de qualité de vie, mais aussi notamment en matière de reconversion urbaine sur la colline de Fourvière, à l'Anticaille et à Debrousse, bien sûr. Nous avons conçu ensemble des réalisations qui, comme le maire tient à le faire dans tous les quartiers, intègrent la mixité avec des logements pour tous, des résidences étudiantes et dans chaque programme des logements pour tous. Et cela tout en préservant et développant l'extraordinaire patrimoine paysager du 5e avec les différents parcs et jardins. J'ai aussi, si vous me le permettez, en tant que premier adjoint à la culture, un attachement particulier à cet arrondissement, à tous ces quartiers, à la fois parce que nous y avons de très belles institutions comme le musée Gadeil, le musée gallo-romain, le théâtre du Point du Jour, l'institut franco-chinois, des hauts lieux de formation comme l'école du théâtre ou encore le conservatoire régional, mais aussi parce que c'est un arrondissement qui illustre bien la vision qu'avec mon collègue Jean-Dominique Durand, nous défendons pour le patrimoine. Le sauvegarder non pas en le muséifiant, mais au contraire en le faisant vivre. Nous l'avons fait au cours du précédent mandat au musée Gadagne, en l'ouvrant sur le quartier, les associations et les établissements d'enseignement. Nous sommes également très attentifs à l'avenir de Guignol, mais aussi, vous le rappelez, cher Thomas, pour d'autres trésors architecturaux comme le Temple du Change, le Palais de Bondy ou encore la cathédrale Saint-Jean, dont la restauration sera prochainement inaugurée par Gérard Collomb. Lyon est aujourd'hui reconnu pour son expertise sur ces questions et notre ville a d'ailleurs été élue en novembre dernier à la présidence de l'Organisation des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette manière que nous avons de nous appuyer sur le passé pour construire l'avenir, elle est pour moi, pour nous, essentielle. Elle est à la racine de ce qu'est la culture, c'est-à-dire une conscience profonde que l'aventure humaine dans laquelle nous nous insérons a commencé avant nous et se poursuivra après nous. La conscience que nous avons de contribuer à la grandeur et à la beauté de cette aventure. Je crois que cette idée nous guide dans la période que nous traversons. Pour continuer à construire, à inventer, à aller de l'avant et pour continuer à défendre un modèle de civilisation qui intègre la pluralité des formes,
et des influences. Le maire de Lyon le rappelait lundi soir dans son discours des vœux au corps constitué. Le combat que nous menons est un combat pour les valeurs et pour l'idée que nous nous faisons de la civilisation humaine dans toute sa richesse et toute sa diversité. En ce début 2016, donc, nous formons le vœu que nous puissions continuer, grâce à tous nos projets et grâce à notre rayonnement culturel, à défendre ces idéaux, ce modèle, avec la même énergie et la même créativité. Je vous souhaite donc, en son nom et au nom de nous tous, une très belle année à chacune, à chacun d'entre vous, avec le plus de bonheur possible. Je vous remercie. Voilà, je vous propose maintenant d'aller boire le verre de l'amitié. Je m'éclatais comme une merde. Je te chantais. Un soir à Saint-Jean, je faisais la kermesse. Je suis juste à la fin.